sur Karim Benzema, parce que ça a bougé aujourd'hui. Ah ouais. Oui, encore. RMC, Roten sans flamme. Il va falloir venir chez nous, hein. Il faut pas avoir la grippe ni la gastro, parce que ça va se régler comme d'habitude, comme des hommes, comme des Corses. Faites entrer l'accusé. Alors, c'est une information de nos confrères de l'AFP. Donc, l'AFP, c'est du sérieux. Karim Benzema a demandé à son club, à l'Ittihad, de partir temporairement, car il se sent sous pression. Le club lui aurait proposé un prêt dans une autre équipe du championnat saoudien, ce qu'il aurait visiblement refusé. On reste quand même au conditionnel. Ces infos viendraient donc d'une source proche du club. Alors, c'est toujours assez flou hein, ces derniers temps autour de Karim Benzema qui a 36 ans, qui est sous contrat encore jusqu'en 2026 en Arabie Saoudite avec des émoluments, une rémunération loin de ce qu'il peut avoir en Europe. Hier, on évoquait la volonté de Lyon de tenter le coup pour le récupérer. Les dirigeants ont ça en tête sans se prononcer forcément sur la faisabilité du truc. Mais des infos qui actent en tout cas l'échec saoudien pour Benzema. On savait que ça se passait mal ces derniers temps. Il est toujours mis à l'écart du groupe par Marcelo Gallardo, son entraîneur, sachant qu'il y a quelques mois seulement, il a remporté le Ballon d'Or avec le Real. Benzema est accusé ce soir d'être en train de rater sa fin de carrière. Et l'accusation est menée par le procureur Jérôme Roten. Bonsoir. Bonsoir à tous. Benzema va être défendu par Maître Emmanuel Petit. Mmh. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Et le juge Olmeta va trancher cette affaire. Bonsoir, Monsieur le juge. Bonazer. Bonazer à vous. Bonazer. Alors, Monsieur le procureur, qu'est-ce que vous reprochez à Benzema? Les grands joueurs, tous les joueurs, je ne vais même pas mettre les grands joueurs, on ne sait jamais comment on finit une carrière. On a tous envie de finir là-haut avec, oui, mais bon, moi ou d'autres, hein, de toute façon, peu importe. Là, le problème, c'est Karim Benzema, ce n'est pas Jérôme Roten. Et à l'arrivée, Karim Benzema, il faisait partie, comme tu l'as très justement dit, Jean-Louis, des meilleurs joueurs du monde, le meilleur joueur du monde il y a maintenant un peu moins de 2 ans. C'est le déclin total depuis sa remise du Ballon d'Or. J'ai l'impression que c'est pas une impression, c'est que l'année où il est resté à Madrid a été très compliquée. Beaucoup l'ont critiqué sur son attitude, sur la façon de jouer. Pourquoi il n'a pas prolongé? On disait c'est le mode de fonctionnement là-bas des joueurs qui ont plus de 30 ans et qui prolongent que un an, alors qu'il voulait faire encore un bon contrat financier. Et ça, libre à lui de le faire. Il n'a pas pu le faire au Real Madrid. Et à l'arrivée, il a montré donc que c'était très important. C'est pour ça qu'il est parti en Arabie Saoudite. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas dit quand il est parti en Arabie Saoudite? Dire, moi, je me souviens des déclarations. Je choisis ce pays-là parce que c'est un pays musulman et ça va avec totalement ma foi et c'est ce que je voulais. Il n'y a pas de souci, ça se comprend, respecte. Ça se respecte et ça se peut se comprendre, en effet. Plus le niveau de salaire, je défie quiconque de dire non à 100 millions sur l'année, à peu près, ce qui touche. Donc, ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais quand tu décides de faire ça, il faut aussi voir derrière ce que tu réclames. Parce que lui, c'est le premier à se plaindre de l'image qu'il peut avoir à droite et à gauche via ses réseaux sociaux, parce qu'il ne communique que comme ça. Alors, par moments, maladroitement, et moi, je pense qu'il a été très maladroit sur les dernières années. Mais ça, ça ne me regarde que moi et c'est que mon avis. Mais je vais juste revenir sur le sportif. Sur le sportif, quand tu décides, après le Real Madrid, où tu es dans le meilleur club au monde, que tu es Ballon d'Or, que tu sors d'une Coupe du Monde, en effet, où il y a beaucoup de choses qui se sont dites là-dessus aussi, où on a dit ouais, Didier Deschamps, son staff a été injuste, et puis ceci, puis en fait je vais parler, puis je vais pas parler, je fais plein d'insinuations sous sa forme de communication préférée, c'est-à-dire via les réseaux sociaux, mais tu dis jamais réellement la vérité et ce que tu penses, à l'arrivée, ça se retourne contre toi. Et puis sportivement, aujourd'hui, d'autant plus, tu es dans un pays donc, qui te correspond, comme tu nous as dit, il y a au bout de quelques mois, déjà, les dirigeants de ce club-là voulaient le mettre dehors, parce que c'est les infos que j'avais au mois d'octobre-novembre, qui se plaignaient de l'entraîneur, qui se plaignaient de la façon d'être respecté par les supporters, parce qu'en effet, en Arabie Saoudite, mais ça, moi, j'y suis pas allé, mais on se renseigne. Quand tu vas dans un pays comme ça, que tu as envie de développer le football, comme Cristiano Ronaldo, comme lui et d'autres, au moins renseigne-toi sur ce qu'est l'Arabie Saoudite, ce qu'ils veulent faire du football et comment tu dois être au top ou pas. À l'arrivée, il n'a jamais été au top sportivement parce qu'il s'est foutu de la gueule de tout le monde. Sa préparation, elle n'est pas bonne. Les matchs, je les ai vus de Karim Benzema et qu'on ne me dise pas que c'est des bons matchs. Il a des stats qui sont faméliques par rapport à ce que les Saoudiens espéraient dans un championnat qui n'est pas le meilleur championnat, quoi que dise Cristiano Ronaldo, en effet. Donc ça veut dire que plus ou moins, tu te fous un peu de la gueule des gens qui t'ont
très gracieusement payé. Et franchement, bravo à lui par rapport au contrat qu'il a. Mais tu as un retour. Tu te fais critiquer par la presse, tu te fais critiquer par les supporters, par les dirigeants. Et à l'arrivée, donc il y a bien une raison, à l'arrivée, tu leur donnes à manger parce que tu pars à la Réunion en vacances et tu montres à tout le monde que tu n'en as rien à carrer de l'Arabie Saoudite, que tu n'as pas envie de revenir et que tu restes et tu es bloqué soi-disant 17 jours. Et pour moi, là-dessus aussi, il y a des choses qui ne vont pas. Mm-hmm. Et sportivement, donc forcément, ça empathie sur l'image qu'ils renvoient. Et aujourd'hui, donc, ils veulent te mettre dehors, ils veulent te prêter à un autre club, tu ne veux pas y aller. Okay. Soi-disant, tu veux revenir à Lyon alors qu'on sait très bien que par rapport au salaire et ce que tu gagnes, tu ne reviendras jamais. Donc pour moi, sportivement, en effet, je n'ai pas honte de le dire, à 36 ans, il est en train de gâcher la fin de sa carrière, okay. T'imagines ? Parole à la, défense, Coupe du Monde, hein. Plus ça, oui, plus son Ballon d'Or, il y a un peu moins de deux ans. Il peut continuer, vous rendez compte où il en est aujourd'hui ? La déchéance de Karim Benzema. La déchéance. Ah oui, c'est la déchéance pour un joueur comme lui qui est la légende du Real Madrid. Déchéance. Et bah, je suis désolé. Client, et bah, il doit finir sa carrière beaucoup mieux qu'il l'a fini là. D'accord. Ok. Donc maintenant, allez-y, défendez-le. C'est ce que n'importe quel sportif de haut niveau, même n'importe qui dans sa vie professionnelle, aimerait finir sur une pirouette, sur sortir à grande classe et terminer, mettre un terme à sa carrière. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Très peu y sont arrivés. Et Benzema n'échappe pas à cette règle-là. Il y en a très, très peu, justement, des anciens joueurs qui finissent très, très bien leur carrière avec notamment un choix sportif. Donc, très peu ont eu le Ballon d'Or il y a deux ans. Enfin, je ne sais pas. Moi, Karim Benzema, il a passé plus de 10 ans, une grosse décennie à casser et à gagner tout un tas de titres incroyables et phénoménaux avec le Real Madrid. Il a gagné d'ailleurs, à titre personnel, même si je n'ai pas beaucoup d'estime pour ça, le Ballon d'Or. Et suite à ce Ballon d'Or, derrière, j'ai l'impression qu'il n'était plus du tout un joueur de très haut niveau et qu'il avait fait ce qu'il devait faire durant toute sa carrière. Il l'a fait admirablement bien. Donc oui, c'était de la pré-retraite. Oui, personne n'aurait refusé un contrat aussi faramineux et mirobolant que tout le monde offre. Beaucoup de joueurs aujourd'hui se posent la question de repartir. Certains l'ont déjà fait, comme Anderson, par exemple, qui vient de signer à l'Ajax, l'ancien joueur de Liverpool. Mais moi, et d'autres sont au niveau, hein. Mais regarde, Cristiano Ronaldo a voulu terminer en beauté sa carrière à Manchester United. Mmh. Ça s'est fini en autre boudin. Messi, je ne vais pas le citer, il a voulu justement terminer une partie de sa carrière avec des enjeux sportifs de très haut niveau. Ça s'est mal terminé avec le Paris Saint-Germain. Mmh. Un nombre incalculable de très grands joueurs ont pris cette décision et ils ont pris des baffes dans la tronche. Lui, il a choisi un choix financier dans un championnat de seconde zone, avec tout le respect que j'ai pour le championnat saoudien. Il est de seconde zone, t'as raison. Oui, je regarde tous les matchs, une bonne partie, et sincèrement, c'est dur. C'est dur à suivre. Au bout d'un moment, je m'endors. Mais ce n'est pas le problème. Mais sauf que les gros joueurs comme Ronaldo, comment tu expliques que Ronaldo, lui, réussisse ? Tu es en train de me dire, en train de dire à tous les gens qui nous écoutent que c'est une déchéance de terminer comme ça, alors que le garçon a un palmarès de folie. Il a été un joueur exceptionnel pendant X années dans le plus grand club au monde. Tu as raison, mais en fait, je trouve extrêmement dur envers Karim Benzema. À 34 ans, quand tu as le Ballon d'Or, à 34 ans, aujourd'hui, il en a 36. Je pense qu'en effet, il en a sous le pied. À 34 ans, il y a deux ans, Manu. Mais il n'a plus le niveau, Jérôme, pour jouer dans un grand club qui joue à la Champions League ou les premiers rôles. Mais c'est mon avis. Il n'a plus le rythme, il ne veut plus se faire violence sur un terrain, il a envie de s'amuser, voilà. Ah. Et quand tu joues dans les grands clubs, tu ne t'amuses pas nécessairement. Il faut faire le job. Mais tout ça, si tu veux, tu as raison. Mais toute la fin sportive au niveau de la communication aussi, franchement, ça finit en vrille complet. Coupe du Monde, tu es d'accord avec moi ? La fin au Real Madrid, la Coupe du Monde. Et ça a été le premier. C'est pas qu'il était super content. C'est pas moi qui l'ai dit. C'était le premier à défendre l'Arabie Saoudite j'ai envie d'aller jouer dans un pays musulman. Jérôme, tu le crois quand même ? Il était sincère à cette époque-là. Peut-être qu'il est tombé de sa chaise depuis. Mais si t'es sincère, Manu, franchement, tu fais comme Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire que tu restes au niveau et tu pousses les autres. Il a 36 ans, Cristiano Ronaldo, c'est une machine. Il a 39 ans. Tu peux pas comparer Cristiano Ronaldo avec tout le monde. Ce mec-là, il est hors norme. Manu, les matchs, tu les as vus comme moi. On le voit. En Arabie Saoudite ? Oui. Non, mais les matchs. Non, mais très souvent, les matchs de Karim Benzema, voilà, parce qu'il y a en plus N'Golo
N'Golo Kanté qui est là et tout ça. Mais N'Golo, c'est pareil, t'as vu comment il termine. C'est la même chose. Oui, mais c'est ce que je te dis. Attention, il y a plein de grands joueurs qui terminent mal en Arabie Saoudite parce que c'est pas le même niveau. C'est pas le Ballon d'Or. Et il y a trop de. Et Verratti au Qatar, c'est pareil. Il y a trop, si tu veux, entre la Coupe du Monde, son départ là-bas, la fin au Real Madrid, ses explications qui ne sont jamais arrivées. Je pense que plus cet épisode-là, où là on nous dit, oh oui, mais c'est la faute des dirigeants qataris, et puis c'est la faute des supporters, et puis de la presse, parce qu'ils n'ont rien à prouver à Saoudien. Le verdict. Il a plus rien à prouver qui se soit Benzema. Est-ce qu'il a gâché, est-ce qu'il gâche sa fin de carrière? Ben, moi, je vais rejoindre Jérôme. Jérôme, je te rejoins. Ah, oh là là, ouais, c'est fou. La première fois, Pasquale. Alors, ouais, c'est bien la première fois. Pourquoi? Parce que, voilà, on peut s'appeler Benzema, comme Cristiano. Après, les hommes sont différents. Je ne veux pas parler de carrière parce que fabuleux ce qu'il a fait Karim, Benzema. Mais là, c'est un autre pays, un autre État. C'est des gens qui ne rigolent pas. Si tu ne te mets pas au diapason, on te paye et c'est comme ça, eh ben, on te prouve que tu peux être le meilleur joueur au monde, avoir été Ballon d'Or il y a un an, deux ans en arrière, eh ben, c'est comme ça. Tu ne t'adaptes pas, eh ben, tu dégages.